Alors me revoici déjà, et oui, vos retours m'ont tellement fait plaisir que je me suis senti obligé de vous abreuver de mon savoir très vite. C'est donc moi, Jack Price, au micro du Daily Bugle pour la Priceless Chronicle. Aujourd'hui mes amis, un sujet qui, je vous l'avoue, me dérange un peu. C'est plus un secret pour personne, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais nous ne sommes pas non plus seuls sur Terre. L'homme n'est plus la seule espèce civilisée sur Terre. Il ne l'a jamais été en fait. Et si ça continue, bientôt on ne dominera même plus. L'homme donc, Homo sapiens, c'est nous, les bons vieux hommes, présents depuis la préhistoire sur Terre. Je vous refais pas l'histoire, vous l'avez apprise à l'école. Tout allait bien, nous étions normaux, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où les scientifiques ont commencé à faire leurs expériences douteuses et foireuses sur les leurs. Mais au moins, ça nous aura donné Captain America, un vrai de vrai. Enfin bref, rien de particulier à dire, puisque nous sommes la seule espèce normale de la Terre, malgré quelques individus récalcitrants, qui s'obstinent à vouloir s'élever au rang supérieur avec leur technologie et leurs expériences. Le problème, mes amis, vient du fait que l'Homo sapiens n'est plus la dernière étape de l'évolution de l'homme. Une nouvelle espèce est apparue sur Terre. Je sais très bien que vous voyez de qui je parle. C'est ça le mutant! Il a suffi d'un gène, un seul gène, et les voilà d'une espèce différente de la nôtre. Le gène X présent dans leur ADN offre une mutation à l'Homo supérieur. Non mais c'est quoi ce nom? Qui a décidé ça déjà? Comment ça supérieur? Bref, quand ceux-ci atteignent leur maturité, et généralement après un traumatisme, ils obtiennent des pouvoirs. Et il ne leur en faut pas plus pour s'autoproclamer espèce dominante. Alors ça, on a bien essayé de les exterminer, de les réduire en esclavage, ou pire, de les apaiser, mais rien n'y fait. Divisés en plusieurs factions, dont les deux plus grosses sont celles du terroriste Magneto et celles du soi-disant pacifique Charles Xavier, ils sont aujourd'hui tous rassemblés sur l'île de Krakoa, dans l'océan Pacifique. Alors oui, on en est débarrassé et c'est tant mieux. Mais ces mutos achètent les différents gouvernements à l'aide de médicaments miracles pour se faire accepter. Je n'aime pas ça! En parlant d'océan, une autre espèce y vit, les Homo Mermanus, la poiscaille qui vit dans l'océan Atlantique, dans la cité submergée d'Atlantis. Ah non, c'était hélas pas un mythe. Il y a 10 000 ans, une branche de l'humanité a évolué pour vivre sous l'eau. Ils sont amphibies, et ah, le comble, c'est qu'ils sont hostiles envers nous qui vivons à la surface, alors qu'ils étaient eux-mêmes des nôtres. Bon, contrairement aux mutants, ils peuvent pas se fondre parmi nous puisque leur peau à eux, elle est bleue. Mais bon, c'est pas le cas de leur roi, Namor Mackenzie, un hybride humain-atlante qui en plus est un mutant. Ça me donne des boutons rien que d'y penser. Quoi qu'il en soit, les Homo Mermanus vivent aussi dans l'océan Pacifique, dans la cité sous-marine de Lemuria. Ils s'y nomment les Lemuriens, comme les singes. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils entrent en conflit avec Krakoa pour que les nuisibles s'éliminent entre eux. D'ailleurs, en parlant de Lemuria, avant d'être immergée, elle était le royaume des Déviants. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Les Homo Descendus, une race grotesque créée par les Célestes à l'âge de pierre. Des immortels, ayant des apparences monstrueuses. Ils sont issus de la même lignée que les Homo Immortalis, les Éternels, créés au même moment. Et bon, autant vous le dire tout de suite, ils sont tous morts. Ils ont choisi de se suicider quand les Célestes sont revenus récemment sur Terre. C'est le comble pour une race immortelle quand même. Ils étaient des surhommes, manipulant l'énergie, et ils pouvaient choisir eux-mêmes leur pouvoir. Rien que ça. Et ils vivaient sur le mont Olympe. Rien que ça. Certains étaient pris pour des divinités, et trois ont même rejoint les Avengers. Non mais ils acceptent vraiment n'importe qui. Ah oui, et une partie vivait dans l'espace, sur Titan, une lune de la planète Saturne. Mais ils ont été massacrés par un des leurs. Vous voyez de qui je parle. Un gros type balèze, violet, drôle de menton. Bon, ils sont tous morts, alors je devrais pas perdre mon temps là-dessus. La dernière espèce du jour, ce sont les Inhomo Supremis. Alors là, pff, c'est n'importe quoi. Les Inhumains, comme on les appelle, eux aussi datent de l'âge de pierre. Des expériences faites par les aliens Kree sur les hommes des cavernes. Non mais c'est quoi ces manies là? Est-ce que nous on va faire ça chez vous? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un peuple qui, en s'exposant à des cristaux dits tératogènes, réveillait leur vraie nature et se changeait parfois en monstre, parfois non. Mais ils y gagnaient toutefois des pouvoirs. Ils vivent en autarcie dans la ville d'Attilan, et quand celle-ci s'est retrouvée au-dessus de New York, les cristaux furent changés en brume qui éveilla des inhumains partout sur Terre. Mais la brume était toxique pour les mutants. On perd un rat pour gagner un cafard, si vous voulez mon avis. Ils possédaient aussi quelques colonies cachées sur Terre, mais aujourd'hui, ils sont retournés là où ils ont vécu pendant longtemps, sur la Lune. Et ça fait bien longtemps qu'on les a pas revus, et c'est pas pour déplaire à votre cher serviteur. Voilà, chers auditeurs, c'est déjà terminé. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les différents filous qui se cachent parmi nous. Soyez vigilants! Je vous invite à faire écouter l'émission à votre entourage pour les mettre au courant et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'était Jack Price pour là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Karen? Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Comment ça l'émission était raciste? Vous me dites à moi raciste? Alors déjà, je vous préviens, ça, c'est une dame requin qui vient de Madagascar que je porte autour de moi. Et là, j'ai commandé à manger dans un kebab pakistanais. Alors je suis vachement raciste, hein, waouh! Non mais je suis pas raciste, Karen! Attendez, Karen, venez ici, je vous explique que je suis pas raciste.